quoi hier? Boire, rien de spécial, comme d'hab. Ah mince. Et toi? Je suis allée à un parc d'attractions. La France. Salut les filles, ça va? Salut Dragibus Garou. Haha, très drôle. Juste parce que la dernière fois, je me suis juste un tout petit peu transformée. Un peu beaucoup. Non mais c'est vrai, tu nous as fait une vraie peur bleue pour le coup. Ouais, tu te sens mieux? Bof, mais j'ai piqué tous les bonbons à l'infirmière. De l'infirmière. Et au fait, j'irai pas en cours cet après-midi. J'ai pas envie de transformer quelqu'un, quoi. Bon, bah, j'enverrai les photos des leçons puisque j'ai pas le choix. Merci, ton enthousiasme m'a manqué, Blue. Hein. Moi, je peux faire tes devoirs si tu veux. T'es sûre, Jeannette? Oui, ça me fait plaisir. Tu m'impressionnes, hein. Mais bon, ça, moi, ça m'arrange, hein. Allez, les filles, c'est l'heure du cours des SVT. Aujourd'hui, nous allons étudier les plantes carnivores. Ouvrez votre livre à la page 42. Vous en savez maintenant beaucoup plus. Pour la prochaine fois, vous me ferez des recherches sur les plantes carnivores. Ah, Jeannette, je te cherchais partout depuis que Dragibus est parti. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais une recherche sur les plantes carnivores locales. Ah, ça ne m'étonne pas de toi, t'as avancé dans tes devoirs. Et t'as trouvé des trucs? Oui, j'ai trouvé qu'il y avait une plante carnivore qui se cachait dans notre collège. Mais arrête, tu sais bien que j'ai peur des légendes. Mais justement, ma grand-mère m'avait parlé de ces plantes fascinantes. Et depuis, j'aimerais bien en voir. Oh, mais t'es dingue, t'as perdu la tête? Mais non. Ah, tu l'as réveillée? Ah, génial, viens, on va voir. Mais jamais de la vie! Tu préfères que je te laisse seule, toute seule? Bon, ok, je te suis, allez. Oui, mais j'espère que la plante ne va pas se transformer en plante loup-garou. Quoi? Le destin tragique, ça